Parmi les atteintes organiques de l'amylose, le rein est un organe cible fondamental qui peut déterminer le pronostic à moyen et long terme. L'atteinte est essentiellement située au niveau du filtre du rénal, que l'on appelle le glomérule, et qui se situe à la surface du rein. Son rôle est vital puisqu'il permet d'éviter d'éliminer les toxines urémiques et d'équilibrer l'eau et le sel produits par le corps. Lorsque les dépôts d'amylose attaquent, si je puis dire, ce filtre, il va être responsable d'une porosité importante qui va permettre à des grosses molécules comme l'albumine, les protéines de façon générale, à passer effectivement dans les urines. Quelle va être l'évolution de ces dépôts au niveau de ce glomérule et de cette protéine? Elle peut être effectivement préoccupante, elle peut être asymptomatique pendant quelques mois, voire quelques années, mais évoluer vers une protéinurie plus importante, responsable d'œdème des membres inférieurs en l'occurrence, et surtout une altération de la fonction rénale qui à long terme peut conduire à l'insuffisance rénale terminale et la mise en dialyse. Comment peut-on dépister cette atteinte? Cette atteinte sera dépistée essentiellement par des bandelettes urinaires au départ, dans la mesure où ces symptômes sont peu importants, voire nuls, ou bien par un dosage de protéinurie de 24 heures, quand la protéine devient symptomatique, en particulier quand il y a syndrome hémateux et des œdèmes des membres inférieurs. Ce dépistage est important puisqu'il va permettre de poser éventuellement le diagnostic. Ce diagnostic va se faire de diverses manières. Soit le contexte d'amylose est évident et qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui pourraient expliquer cette protéinurie et donc l'amylose rénale, ou du moins l'atteinte rénale, par l'amylose sera évidente et on n'aura pas besoin d'aller plus loin dans les explorations. Ou bien, autre situation, l'amylose n'est pas connue, ou du moins il y a un doute sur l'origine de l'atteinte amyloïde de cette protéinurie, et l'on sera conduit ou forcé d'effectuer une biopsie rénale pour confirmer ce diagnostic. Quelle va être l'évolution donc de cette protéinurie ? Elle va dépendre essentiellement de la cause de l'amylose, de son ancienneté, de son agressivité. Elle peut donc être peu symptomatique pendant très longtemps, comme évoluer vers des complications de type syndrome hémateux, c'est-à-dire des œdèmes des membres inférieurs, et surtout sur le plan biologique, une altération de la fonction rénale qui peut conduire à moyen et long terme vers la dialyse. Comment peut-on faire le diagnostic d'amylose rénale? Ce point est important puisqu'il va permettre d'adapter la thérapeutique et il va dépendre du contexte. Si le contexte est connu comme ayant une amylose généralisée avec une atteinte, une protéinurie, une découverte d'une protéinurie dans ce contexte, le diagnostic d'amylose rénale ne posera guère de doute et on ne sera pas conduit à faire d'autres explorations. En revanche, si le diagnostic n'est pas sûr ou que l'amylose elle-même n'est pas certaine et que l'on découvre une protéinurie et a fortiori une dégradation de la fonction du rein, il sera certainement fondamental d'effectuer une biopsie rénale pour confirmer cet amylose. Le diagnostic de certitude ainsi établi, on pourra proposer au patient une stratégie thérapeutique maximale pour contrôler la maladie et ainsi espérer préserver sa fonction rénale. D'autre part, nous avons quelques espoirs sur des nouvelles molécules qui sont en cours de test sur le plan international et en particulier dans le service, qui nous donnent des ouvertures thérapeutiques extrêmement intéressantes.